tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et nous sommes le 24 décembre. Voilà, vous avez vu sur ma chambre. Puis voilà, écoutez, j'ai sorti la petite robe. J'ai mis un truc au-dessus parce que je vais avoir froid, faut que je mette mes baskets encore. Et puis j'ai tout ça de cadeaux à prendre pour ma mif. Donc voilà, écoutez, on va y aller. J'ai super mal à la gorge. Je crois que je couvre une angine ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de mettre du spray et tout, mais ça ne passe pas. Un truc qui fonctionne par contre super bien pour les angines, faut que je le fasse d'ailleurs, mais j'ai plus de bicarbonate de soude, c'est vraiment de mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans un verre, de faire du gargarisme avec, mais vous savez, de garder bien longtemps le truc, en fait ça désinfecte tout, donc c'est vraiment génial. Voilà, vous m'avez rien demandé mais je vous donne un petit tips. Je vais mettre un petit peu de parfum et puis je vais y aller. Il fait déjà noir dehors, donc let's go. Et il faut que je prenne une petite photo pour Instagram, donc let's go. Noël, c'est fini. J'ai tellement rigolé que tout mon maquillage a dégringolé. C'était vraiment bien. J'ai eu plein de cadeaux, dont Lou Sonata 2. Je suis trop contente. Avec mon sac homosexuel. Hola tout le monde, moi je vous ai pas pris en vidéo depuis super longtemps, depuis Noël en fait, parce que j'ai chopé la crève, je sais toujours pas à ce jour si c'est le Covid ou pas, mais là j'en sors vraiment tout doucement et encore on voit à ma tête que c'est pas encore la joie, j'ai la petite Zozo qui est sur moi, ça a vraiment été une énorme crève, je suis blanche as fuck. Enfin bref, je vais me préparer, je reçois ce soir, donc voilà, et j'ai commandé, regardez, une petite... Je sais pas si vous voyez, j'ai commandé une cage de transport pour Zoé. Parce qu'en fait, avant, je prenais tout le temps celle de mes parents. On se la partageait, mais je me suis dit, je sais pas, si un jour il y a un incendie, il y a une urgence et tout, j'ai pas de cage de transport. Du coup, voilà, j'en ai commandé une sur Vinted pour 10 euros. Franchement, elle fera l'affaire, c'est super cool. Donc je suis trop contente. La dame l'a expédiée super rapidement. Elle est en très bon état, faut juste que je passe un petit coup parce que c'est un petit peu sale, il y a des poils de l'autre chat et tout. Mais bon, ça fera l'affaire pour la Zozo et puis je pense qu'on va faire un petit rendez-vous quand même annuel chez le véto pour nettoyer ses oreilles, pour les dents et tout. Voilà, je pense que ça peut pas faire de mal. Il va me saouler avec les vaccins mais moi je fais pas de vaccin sur la Zozo. J'ai grave la flemme de faire à manger ce soir. Du coup, je crois que je vais attendre que mon invité arrive et fasse à manger. Je suis vraiment une princesse, j'adore. Bon, j'ai essayé de me faire une tête à peu près potable en étant malade, mais franchement ça va mieux, j'arrive à respirer par le nez. Par contre, je n'ai plus d'odorat ni de goût, donc ça tombe, ça se trouve, je pue le rat crevé, je le sais même pas. Ça m'étonnerait, mais je le sais même pas, vous voyez. Même mes aliments que je mange, je pourrais manger de la marde, ce serait pareil, tu vois. C'est trop abusé. On dirait que j'ai une moustache inversée. C'est reparti pour une session piano avec moi. Je me répète, je suis débutante. Vraiment, c'est la cinquième fois que je touche ce clavier. Débutante et malade. Ok, ça c'est acquis. Thank you.
Hello tout le monde, nous sommes, pour vous, on est hier en fait, là on est samedi, faut que je me dépêche de monter le vlog, je sais pas à quoi je joue en fait, mais j'avais tellement de trucs à faire que j'ai totalement zappé le vlog de ce dimanche-ci. Là il est 18h, ce matin j'ai été me promener, c'était trop cool, j'ai fait un petit peu de piano cet après-midi, j'ai lu aussi, j'essaye vraiment de me déconnecter le plus possible du téléphone, je suis beaucoup trop dessus, c'est abusé mon temps d'écran, alors je sais que c'est mon taf et tout, mais je pense sincèrement que j'abuse et que surtout Instagram me prend beaucoup trop de temps, surtout que depuis que ma vidéo a percé sur le lierre, en fait j'ai des notifs vraiment tout le temps, alors j'ai coupé les notifs sur Insta, que ce soit DM et notifications, voilà quoi, mais ça reste quand même énormément, j'ai à chaque fois beaucoup d'abonnés en plus, genre j'ai pris 10 000 abonnés en quelques jours, genre c'est incroyable quoi. Je sais pas si vous voyez les cernes que j'ai, c'est assez incroyable. Mais bref, tout ça pour vous dire que bon, c'est le dernier vlog de 2023. Ça aura été une année vraiment très spéciale, mais finalement bénéfique pour moi. Quand je me souviens comment j'ai commencé 2023, enfin je suis plus du tout la même personne. Enfin en tout cas j'ai l'impression de m'être bonifiée. Je vous jure, je sais pas, je suis beaucoup plus heureuse en tout cas. Du coup, voilà, j'ai fait plein de rencontres en plus en 2023. Enfin, je suis trop contente de ce que je vis en ce moment. Voilà, je suis vraiment heureuse et 2024 promet d'être vraiment cool pour moi. Vraiment, ça va être trop cool. Donc, j'ai vraiment super hâte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous projetez un petit peu pour 2024. Qu'est-ce que vous allez faire professionnellement. Si vous avez des nouveaux trucs dans votre vie. Voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.